Bonsoir. Il a encore fait très chaud ce vendredi jusqu'à 37 degrés dans le sud-est et ce soir des orages parfois violents éclatent entre la région Rhône-Alpes et les frontières allemandes. Soyez prudents. La vigilance est maintenue jusqu'en fin de soirée. Et puis demain, en début de journée, un coup de vent va concerner le nord du pays et les régions du Benelux avec des rafales qui pourront atteindre 80 à 100 km à l'heure. On le découvre avec votre carte pour samedi matin avec des pluies soutenues et de fortes rafales de vent sur les régions du nord jusqu'à 80 km à l'heure dans les terres, 100 km à l'heure près des côtes. C'est évidemment inhabituel pour cette époque de l'année et ça pourra perturber les activités de plein air dues à la saison. Partout ailleurs, un temps qui restera majoritairement nuageux mais souvent assez calme, davantage d'éclaircies pour le nord-ouest et un ciel bien ensoleillé dans le sud-est mais vanté près de la Grande Bleue. L'après-midi, vous conserverez d'ailleurs le soleil dans le sud-est du pays mais avec toujours du vent près des côtes. Ailleurs, un temps majoritairement variable et puis les nuages resteront plus nombreux en direction des frontières du nord avec encore de la pluie vers le nord de la Belgique et des rafales de vent qui vont lentement s'atténuer mais on atteindra encore 70 à 80 km à l'heure. Alors, les températures de votre samedi matin, entre 12 degrés pour Cherbourg et 25 degrés déjà pour Nice, et puis l'après-midi, dégringolade pour tout le monde, on repasse en dessous des normales de saison, ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé, 17 degrés, pas plus pour Bruxelles, ça ne sera pas bien cher payé, 22 à Paris, 22 également à Rennes, 25 pour Bordeaux et pour Lyon, et quand même jusqu'à 35 degrés à Nice, où la journée s'annonce très chaude. Votre seconde partie du week-end, dimanche, un temps ensoleillé pour les régions du sud et de l'est, mais dans le même temps, une perturbation pluvieuse va nous parvenir. Par le quart nord-ouest avec des pluies assez régulières et un vent sensible. En conséquence, les températures seront fraîches sur ces régions, mais elles seront souvent chaudes ailleurs avec entre 28 et 31 sur les régions de la moitié sud. Votre début de semaine, lundi, les nuages vont dominer avec une atmosphère assez ventée et donc plutôt désagréable. Quelques averses seront d'ailleurs possibles essentiellement vers les frontières du nord. Le temps sera plus lumineux dans le sud-est et donc les températures inférieures aux normales de saison 19 à Brest, 22 à Paris, 25 à Clermont-Ferrand et quand même 32 pour Marseille. Et la suite avec mardi et mercredi. Un temps variable sur la plupart des régions. Les températures vont remonter, surtout mercredi, avec une moyenne de 26 au nord et de 30 dans le sud. Peut-être quelques orages en fin de journée. Et puis enfin pour jeudi et pour vendredi prochain, des conditions variables sur la plupart des régions et un risque orageux qui sera présent du sud-ouest jusqu'aux frontières de l'est. Les températures seront plus ou moins conformes aux normales de saison, sans véritable excès. Demain nous serons le samedi 25 juillet nous fêtons les jacques et nous perdrons à deux minutes de soleil. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end et je vous donne rendez-vous demain soir pour un nouveau bulletin à demain.